Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300 euros pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications. Pour ne louper aucune de mes vidéos, faudra liker mes vidéos, faudra commenter. Et surtout, le plus important les potos, faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le Master Kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur Call of Duty World War 2 sur le nouveau DLC Le Trône Sombre. Donc dans ce tuto je vais vous présenter comment débloquer un trophée. Donc tout simplement on va se rejoindre dans les trophées du jeu et le trophée qu'on va débloquer aujourd'hui c'est merveilleux. Dans Le Trône Sombre, tuer 50 Gekost avec l'arme spéciale au cours d'une même partie. Donc vous pouvez bien sûr le faire en legit ou en glitchant. Moi je vais vous proposer la méthode de glitcher. Donc en legit, ben, vous le faites en basse manche, vous aurez plus facile. Alors, pour faire ce glitch, il vous faudra tout simplement camouflage avec le mode mobilisation pour pouvoir courir plus vite. Alors je vous conseille bien sûr de prendre double coup, ça c'est obligatoire, et de prendre c'est tout, au moins double coup quoi, tout simplement. Alors ensuite, vous allez aller au musée. Vous allez ici, et là, en fait, le but, c'est de sauter de genre là, à genre ici, avec le spécialiste, quoi. Donc, attendez 2 secondes, hop, voilà. Donc, vous activez votre spécialiste et vous sautez comme ça, pour être bloqué en haut, en fait, tout simplement. Donc là, c'est ce que je vais faire. Franchement, c'est tout simple, hop, vous activez votre spécialiste et vous essayez plusieurs fois de sauter comme je suis en train de le faire. Hop, non, normalement, la troisième, c'est la bonne. Voilà, vous avez vu? MDR. Donc maintenant, vous allez soit de droite à gauche. Voilà, vous pouvez aller de droite à gauche. Et là, ben, vous passez la manche. Donc ensuite, vous avez bien sûr pris votre Wonderbus. Hein, je n'ai pas besoin de préciser parce qu'il faut faire le défi avec ça. Donc là, tout simplement, vous allez attendre qu'il y a un gros tas de zombies en dessous. Et vous allez attendre tout simplement qu'il se transforme en Gekost. Donc qu'est-ce que c'est un Gekost? C'est tout simplement le Zeppelin qui tire sur un zombie et qui transforme le zombie en feu. Voilà, là il y en a un qui est en train de se transformer. Et ben dès qu'il se transforme, vous le tuez avec l'arme spéciale. Voilà, comme ça. Alors si vous avez plus de munitions, ben, vous avez juste à recharger en tirant sur le tas de zombies avec L2, tout simplement. Donc je vais faire un petit test pour voir combien de zombies on peut cumuler en Gekost. Donc si vous le faites en legit les potos, je vous conseille de prendre le Tomahawk qui va vous permettre de courir plus vite, tout simplement pour pouvoir les esquiver si jamais ils vous courent après. Mais après, ben franchement, vous utilisez le spécialiste choc, vous utilisez... Donc franchement, on s'est accumulé pas mal. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6. Donc là, je vais les tuer tout simplement et puis je vais recharger mon Wonderbus. Alors faites super attention aux bombes parce que eux, ils vont vous tuer tous vos Gekost. Donc si vous voyez un zombie bombe arriver, soit vous le tuez de loin ou soit ben, vous tuez directement tous vos Gekost. Alors, petit conseil, parce que 50 Gekost à garder, à tuer... Ça va prendre énormément de temps. Donc moi, ce que je fais, c'est que je regarde s'il n'y a pas de zombie bombe qui arrive. S'il n'y a pas de zombie bombe qui arrive, ben je laisse les zombies Gekost se transformer tout seul. Et puis après, ben, je reviens 15-20 minutes après faire le ménage. Parce que franchement, c'est trop long. C'est trop long. Laisse tomber. Regardez-moi ça, tout ce que j'ai cumulé là. J'en ai au moins 10. Donc vas-y, c'est parti, je tue tout le monde. On chipote pas, mon pote. Allez, débloque-moi ce trophée là. C'est bon, je l'ai obtenu, c'est merveilleux les potos. Voilà, j'espère que ce petit tuto glitch vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace.